Un balado Radio-Canada, audio. Ah, oh, défaite crève-cœur du Canada. <laughs> J'ai quasiment le goût de pleurer, non, ça va. Défaite crève-cœur de 1-0 contre la Belgique. J'ai le goût de pleurer juste parce que ils auraient dû gagner ce match. Ils l'avaient, ils l'avaient. Euh, même toi, Lee, qu'une semaine ou deux, il y a une semaine ou deux, tu étais pessimiste un peu, où tu ne pensais pas que le Canada allait gagner bon. la première demi, tu pensais qu'on l'avait. Hein? Oui, il aurait dû gagner. C'est le bon mot que tu as utilisé. On serait tenté de dire qu'il aurait pu gagner. Non, je pense qu'il oui. aurait dû gagner ce match-là. Euh, C'est sûr que bon, le, le but change tout. Le but de Batshuayi, ça, ça change un peu la, la dynamique du match. Puis le Canada ne domine pas nécessairement pour les mêmes raisons. Mais la manière dont ils sont arrivés dans cette première mi-temps-là, ils étaient braves, ils avaient l'esprit d'entreprise à de cette équipe-là. Ils n'ont pas été récompensés, ils ont passé très, très près de l'être. Mais c'est ça, le haut niveau. C'est le petit truc qui manquait euh, dans le dernier tiers qui n'était qui pas là. Puis c'est une leçon pour la ouais. suite. Moi, je recevais beaucoup de messages textes là, pendant le match de personnes qui. Regarde la Coupe du Monde, mais regarde pas les matchs du Canada de la Concacaf. Donc ben, pour, ils sont pour certains, à coupe du monde, pour non ça. mais c'est ça, mais pour certains c'était la première fois qu'ils voyaient l'équipe canadienne. Ils disaient hey, finalement ils sont bons, comme si c'était une surprise. Mais non, son niveau. Mais là on va crever l'abcès tout de suite. Il faut qu'on parle d'Alfonso Davies. Christian va me laisser dire, oui, il devait gagner, etc. Ah oui, tu, Alors, tu, à tu Davies tout de suite. Non, non, mais mais je sais que... <laughs> tu l'as tagué sur Twitter, <laughs> t'as pas peur. Non, mais as ouais. dit, Alfonso, il va, il va dire, ah, c'est une il a dit ouais. que j'avais déçu. Ouais. Mais moi, je veux qu'on parle de, de, du point de tournant. Il va tout de suite dans le vif du sujet, ce penalty. Premièrement, est-ce que vous pensez que c'est la décision d'Erdman? Qu'est-ce que vous pensez du fait que... Davis prenne ce penalty là On sait que c'est la vedette, mais ça fait quand même. Je blaguais, là, quand on le regardait ensemble, lit ici, je disais ça fait quatre semaines qu'il n'y a pas tiré tirer un ballon. Oui, c'est un peu ça. Moi, je. c'est le sentiment que j'ai eu avant le, le penalty, lorsque l'arbitre a donné cette décision-là. J'imaginais plus un Jonathan David, par exemple, prendre ce ballon, être en... Voilà, sur la continuité de ce qu'il a fait en, en championnat. Barré, aussi, <laughs> aussi. Mais oui, c'est vrai que c'est ton pronostic. Ouais. Les couleurs, on est vendu avec Olivier. Mais oui, j'étais surpris et puis en même temps, c'est vrai qu'il a ce statut-là qui peut lui attribuer euh, les décisions qu'on qu peut lui donner derrière en termes de responsabilité. Mais moi, c'est le plus grand piège qu'il peut y avoir justement dans le sport de haut niveau. Un truc qui se reflète aussi chez moi en France, au Paris Saint-Germain, en la personne d'Mbappé. On a l'impression que le statut doit mmh. passer devant le collectif et que c'est plus dans la notoriété, dans la prestance du joueur qu'on fait des choix. Et bah, ça s'est reflété en fait dans la physionomie de son match par ouais. la suite où j'ai trouvé qu'il était bah, à côté souvent qu'il euh, ne respectait pas le sens du jeu où le, le jeu demandait à lâcher le ballon, à fixer, à donner le ballon au bon moment, où il y avait des partenaires qui étaient disponibles. Mais là, je l'ai senti vraiment euh, emprisonné lui-même, et, et c'est difficile. Hein. Je me mets dans sa, dans sa carapace que j'aurais jamais de joueur du Bayern de Munich arrivant euh, dans l'équipe nationale du Canada, où on t'est enfermé quelque part dans ce statut de super-héros. On parle de toi, on dit que c'est toi qui va sauver l'équipe, c'est toi qui... Mais on veut plus être là, justement, le Canada. On veut s'émanciper de tout ça, on veut avoir un collectif fort et avoir, justement, l'idée... De, de gagner ensemble et c'est ce qui a manqué à mon Mongo aujourd'hui. Ce match-là m'a beaucoup fait. Ben beaucoup. Ça m'a rappelé un peu le match Canada-Costa Rica à Edmonton, mm -hmm. dans la mesure où c'était euh, le retour à la maison d'Alfonso Davis. C'était ouais. lui qu'on attendait, c'était son visage qui était partout en ville. Et par moments, on se sentait un peu dépassé par l'occasion, on voulait trop en faire, un peu comme justement contre la Belgique. Bon, c'est pas le même résultat, ils ont battu. Et on en avait parlé déjà, Olivier, à ouais, hein, ouais. cette époque-là. Et le, je comprends la symbolique derrière. Ce serait bien que ce soit Alfonso Davis qui est un peu le porte-étendard de cette nouvelle génération de l'équipe nationale -là, qui marque ce premier but-là euh, en, en, ben, en 36 Ça aurait été qui votre marqué. choix? Moi, j'aurais mis Jonathan Davis. Ouais. Ouais, Personnellement, c'était naturel. de, de mon euh, pronostic. Oui, bien sûr. sûr. Mais c'était naturel. J'ai juste envie qui, est présentement, est en pleine possession de ses moyens, qui compte des buts à profusion. Davis, c'est le dernier à être arrivé un moment donné au camp mais aussi. On se posait des questions sur son état de, de forme, pas qu'on dit la forme de match et tout ça, mais euh, il y a eu des points d'interrogation jusqu'à la, seul, la jusqu toute ouais. dernière seconde. La seule chose qui a fait tirer Davis, c'est son statut. Oui, c'est ça. Rien d'autre. Il revient de blessure, il manque de rythme, il manque de sensations. On n'était même pas sûr de le voir sur le terrain. Donc, il n'y a aucune. Je veux dire, il y, y a rien qui justifie, en fait, de voir Davis, même si c'est des choix de l'entraîneur, sûrement, ou de, de, de lui-même, il faut le respecter. Mais pour moi, il manquait que ouais. ça. Dans ce match-là, il ne manquait que ça. Si on avait un Davis au diapason, justement, du collectif, il gagnait. Il, Parce gagnait. Que il a fait des bonnes choses. On en parlait avant d'entrer en londres. Il a créé de l'espace. Des fois, il faisait. Un premier geste, une première fête. Et là, on voyait l'ouverture. Il aurait pu passer, mais il choisissait de, choisissait de faire un deuxième, troisième, un passement de jambes, un tourniquet. puis finalement, il perdait le ballon. Puis Ali, tu parlais du match à, au Costa Rica. Contre en fait, contre le Costa Rica ou ouais, oui. à Edmonton, mais on faisait des blagues des fois. Mais c'est vrai que le Canada s'est qualifié sans le fonds de devise. Quand vous parlez de collectif, d'être au service de l'autre. Ben quand Alphonso Davies était pas là, c'était jamais le même joueur qui marquait des, des buts. Je remets pas en question le talent d'Alphonso Davies, mais là... non, parce qu'après ça, je veux dire, il y a eu le match contre le Mexique aussi, puis c'est un peu là où je veux en venir. L'expérience d'apprentissage, elle est là pour tout le monde parce que bon, tu viens de faire un super match contre la Belgique, tu perds, mais après ça, c'est ce que tu en fais. Ouais. Puis honnêtement, je, je regarde un peu de la manière dont euh, John Erdman aussi s'est exprimé après la rencontre aux diffuseurs, puis la manière dont ils, ils, ils sont convaincus qu'ils peuvent faire quelque chose contre la Croatie ensuite, quand, la, quand tu, tu pars de la base, puis qu'après ça, tu peux t'émanciper sur le prochain match. C'est ça, ça la clé. Puis Davis a réussi à le faire, ça contre le Mexique, dans ce deuxième match-là, Edmonton. Donc, oui. vous, avez, vous avez espoir qu'il qu soit en mesure de, de réaliser peut-être les choses qui ont cloché, parce que moi, j'ai l'impression que c'est son pire match. Que j'ai vu bah, en dans l'uniforme du Canada. Christine, je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'on n'a pas eu cette expérience déjà Est-ce qu'on ne le savait pas déjà mmh. Sincèrement, j'ai l'impression d'avoir déjà eu des discussions à ce propos-là, d'avoir déjà vu un collectif huilé sans Alfonso Davis, savoir de quelle façon est-ce qu'il devrait revenir justement par le passé euh, et qu'on a vu justement cet excès de confiance et cet excès ouais. de, de jeu individuel. On en a parlé, Olivier, dans, par le passé. Je t'ai vu en parler aussi. Mm. J'ai vu beaucoup d'observateurs en parler et je suis sûr qu'on avait déjà ces informations-là. Est-ce qu'on n'avait pas possibilité justement d'essayer de gommer un petit peu ça et de dire, OK, guys, c'est est à 11 qu'on va gagner aujourd'hui Mais c'est quoi la solution à court terme Parce que bah, là, bah, ça de, se resserre. Là, on a deux matchs. C'est là que je trouve que ça devient intéressant parce que moi, j'ai été surpris. D'une part, de comment Davis s'est inscrit dans ce dispositif-là. Je ne m'attendais pas à le voir occuper ce rôle-là de, de défenseur latéral ouais. qui rentre dans le jeu. Je, ça fait longtemps qu'on l'a vu ouais. dans ce, à ce poste-là euh, dans, dans un match à haut enjeu avec le Canada. Ouais. Par contre, ce matin, puis là, vous allez me dire, il était 5 heures du matin, peut-être que tu réfléchissais tout croche, tremblé, mais je regardais le Maroc et la Croatie, la manière dont ce match-là s'articulait, puis je me disais, Alfonso Davis aurait du fun. Alfonso mm -hmm. Davies aurait vraiment du fun. Le latéral gauche du Bayern de Munich aurait beaucoup de fun dans ce match-là. Ouais. Donc, là, en, la manière dont la Croatie a joué aussi contre le Maroc, l'organisation défensive, ils vont regarder la manière dont le Canada a joué aujourd'hui. Je peux pas croire qu'ils vont dire que ça va être une promenade dans le parc. Le Canada peut faire, à la lumière de ce qu'ils ont montré contre la Belgique, faire des choses vraiment intéressantes contre la Croatie, parce que le Canada, pour moi en tout cas, n'a pas attaqué de la manière dont je, je l'attendais du tout. Je m'attendais à ce que la Belgique fasse davantage le jeu puis qu'ils jouent dans leur dos, mais, mais c'est ben, pas ça vraiment qui est arrivé. On ouais. a eu le match à l'opposé concrètement. Ouais. On a eu une équipe dominante avec de la possession qui a réussi à étouffer la Belgique. La Belgique le, a joué en contre pratiquement, a mis des ballons derrière la derrière la défense. Ah, ça fait que une faiblesse. ah oui, exactement. Mais on le savait là encore aussi que c'était une de nos faiblesses. On l'a vu lors du dernier match face au Japon où on prend un but justement. C'est impossible la Belgique. <laughs> comme ça. Mais c'est ouais. ça. Mais on a réussi et c'est là où je veux quand même ramener du positif parce que vraiment bravo au Canada globalement dans la prestation. J'ai été moi-même agréablement surpris. J'ai adoré ce qu'ils ont présenté dans le contenu. J'ai adoré le le, le, le le balayage en fait de complexe d'infériorité face à cette grande nation, de se dire on va se recroqueviller derrière défendre et puis espérer. Un contre, non. Ils ont joué, ils se sont lâchés, ils ont dès pris. Dès la première minute. Ouais, dès la première minute, on s'est demandé si ça allait durer cinq minutes et puis s'écrouler, <laughs> mais non, jusqu'au bout. Mais est-ce que c'est un mauvais match à Belgique ou c'est le Canada qui particulièrement est arrivé super bien préparé Moi, je pense qu'ils sont arrivés vraiment bien préparés. La, la Belgique a euh, très rarement a été capable de relancer court de la manière dont ils aiment. Le Canada avait pris des notes de ce qu'ils ont vu en préparation, clairement, de la Belgique, euh, la manière dont il les pressaient sur les coups de pied de but. C'était vraiment efficace. Oui, peut-être la Belgique, dans une certaine mesure, est passée à côté de son match, mais je pense que le Canada a beaucoup ouais. euh, à voir avec ça. Oui, il faut leur donner crédit. Hein, pour le coup, on a l'habitude justement d'être des équipes négligées. Euh, aujourd'hui, il y a une prestation qui, qui est juste... Euh, si on met le score de côté, sincèrement, ce que les jeunes ont pu voir aujourd'hui de leur équipe d'ici là. Qui se mesurer mmh. face à des joueurs qu'ils ont l'habitude de voir le samedi au Real Madrid, à, à Manchester City, etc. Je veux dire le sentiment d'appartenance, de, de fierté et de se dire que bah ici on est capable de développer des joueurs. Je peux dire que ce match a changé ouais. beaucoup de choses, non seulement à domicile mais aussi dans la dans la, la vision et le regard qu'a le monde entier sur le ouais. Canada aujourd'hui, tu as été capable de montrer ce que, es, que tu pouvais jouer au football, que tu pouvais dominer une équipe extraordinaire, parce que la Belgique est extraordinaire aussi, et c'est une forme de victoire aujourd'hui vraiment. Le, le gars qui a fait le plus grand nombre de grosses interventions cruciales qui jouait en blanc aujourd'hui. les gars, C'est un gars Quel que tu peux voir match. jouer au Stade Saputo tous les deux samedis, à peu mm. près, en bleu, numéro non, 3. Non, mais Kamal, Kamal Miller, ta là, des tacs de oui. justesse. Quel match. Et On va voir un peu de positif. J'ajoute Johnson aussi, ouais. Johnson, dans l'intensité, bon. première mi-temps. C'est lui qui mettait le ton, qui mettait de l'intensité, qui allait au duel, qui faisait tomber Eden Hazard pour lui montrer que, écoute, moi, je suis là aujourd'hui. C'est pas toi. Ouais. Le Real Madrid, c'est moi aujourd'hui. Moi, j'ai aimé cette confiance qui était... Un piège aussi, parce que John Herman, on a l'habitude de dire qu'il peut paraître à la limite de l'arrogance des fois dans mm -hmm. ses déclarations et de se demander si ça va se traduire sur le jeu. Mais à partir du moment où il y a une corrélation entre l'attitude et le discours, tu peux que dire bravo à cette équipe. Franchement, ouais. vous nous avez fait euh, kiffer. Je vais le lâcher. <laughs> J'ai kiffé aujourd'hui. Yes! J'ai adoré, J adoré ce match. <laughs> J'ai adoré ce match. Ça m'a fait du bien de voir ce Canada à ce niveau-là. Et puis, euh, on a envie de les, les suivre pour la suite. C'est ça que les joueurs euh, dont il parlait depuis longtemps ils disaient on veut. Aller chercher le respect dans la planète foot. Puis, un peu aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que le Canada s'est mis sur la map. Ouais, là, Comme euh, C'est incroyable. Il nombre de journalistes de l'étranger que tu vois réagir aujourd'hui en disant Hey, c'était pas une victoire méritée de la Belgique. Ouais. Ils, se sont fait ouais. manger. Ils se sont fait bouffer par le Canada. Ouais. C'est des... une belle équipe, mais même si des fois, il y a des petites. On parle d'Alfonso Davis qui a peut-être exagéré sur des actions individuelles. Il ouais, y a quand même des petites séquences. Alfonso Davis, à un moment donné, casse les cheveux. A... Je pense que tu as des ou quoi. Ouais. À oui, oui. un moment donné, Eustachio qui, devant Kevin De Bruyne, lui sert si <laughs> un petit pont comme ça. Il y en était des, petites, des un petits jeux de individuels qui, oui, c'est un beau collectif, mais qu'on voit, OK, le Canada a des, in, des individus qui sont parmi l'élite mondiale. Ça fait du bien. Je ne veux pas être juste négative, là, mais je veux parler de d'autres points d'interrogation que j'ai. On n'a pas vu Jonathan David aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'il était menotté par la Belgique? Mais on a vu. Il y a pas eu beaucoup d'occasions premièrement là, de, de, de venir terminer mais le non, travail mais dans mais la surface de réparation. C'est quand même lui la présence dans la surface puis quand tu regardais après la première mi-temps le Canada avait quelque chose comme six ou sept fois plus de touches de balles dans la surface de réparation que les Belges. Je veux dire c'était beaucoup à demander aussi à Jonathan David. Je pense que je suis pas prêt encore à le lancer non, mais sous l'autobus. Est mais est-ce que c'est -ce est dans le fond pour mettons la Croatie le Maroc présentement est-ce que c'est de se dire bon on a juste à à surveiller Jonathan David, s'assurer un peu comme on voulait faire à Kevin De Bruyne aujourd'hui, s'assurer qu'il ne sera pas en possession du ballon dans la surface, puis on est correct, le Canada ne marquera pas de but. Non, je pense qu'ils ont senti justement. Et sincèrement, il y a eu pas mal de dangers de la part du, du Canada. J'ai aimé les, les courses à haute intensité sur les côtés, essayer de, de percuter, de ne pas avoir de complexe physiquement face aux, aux, aux défenseurs. Et c'est vrai que Jonathan David, j'aurais Jonathan David aimé qu'il soit peut-être un peu présent en termes d'efficacité parce qu'il avait une situation notamment de la tête en deuxième une période fois, ouais, trop derrière. Ouais, où il avait l'occasion justement là de, de, de planter parce que je pense vraiment qu'il sur dix actions comme ça il en met neuf je pense ouais. vraiment ou, ou au moins il la cadre et là pour le coup c'est vrai que ça a été un match assez difficile mais euh, j'ai quand même aimé moi son humilité le travail qu'il a donné aussi pour les partenaires il a énormément défendu il s'est donné c'est une de ses mmh. qualités ouais, aussi il a à lille ouais. oh, oui. et donc pour ce travail de sable dont olivier parlait justement d'être présent dans la surface d'essayer de créer des espaces j'ai aimé moi don, don, son, 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 son apport collectif donc on espère pour le prochain match que ça débloquera ouais. euh, mais il y a la possibilité de faire la différence assurément Eustachio, vous avez pensé quoi de sa performance on sait qu'il est tellement important milieu de terrain premièrement c'est coups francs ça n'a pas ouais, été ça, à point aujourd'hui tu dis bah c'est pas grave mais quand même je veux dire c'est 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 quand On même un... à quel point c'est important dans un tournoi majeur tu sais en même temps c'est ça c'est le... -ce là avez... que c'est décevant parce que ça peut être des situations vraiment vraiment cruciales il y en a deux entre autres où vraiment c'était complètement oui, raté c'était trop long qu'est-ce que vous avez pensé de son travail c'est vrai mais ça résume pas pour moi le, la prestation qu'il a eu je l'ai trouvé fort intéressant j'ai trouvé pratiquement meilleur que De Bruyne. Donc, après, c'est mon ressenti à moi Bruyne, sur ce match. De Bruyne, match -là. ses décisions, c'était épouvantable. C'est ça. Ben, c'était un autre, on dirait, qui accélérait puis il aurait pu passer. C'est aussi un truc vraiment la Belgique est passée à côté de son match, ouais. que ce n'était pas causé par le Canada, parce que en fin de première mi-temps, il y a eu certaines occasions comme ça où il y avait de l'espace soudainement pour Kevin 100%. De Bruyne. Il prend des décisions épouvantables. Pouh, hein. ouais, la donnée dans le Zig, quand fallait la donner dans mm -hmm. le Zag, des appels, enfin euh, des, des passes qui, qui contredisaient l'appel. C'est vrai que c'était peut-être pas son meilleur match et on respecte De Bruyne. Hein. Pour moi, c'est un, un joueur extraordinaire, oh, mal, fantastique, mais c'est plus pour mettre en avant justement euh, le travail de l'autre côté, d'arriver justement à, à mettre en danger cette équipe, défense, cette, euh, cette équipe défensivement. Bravo, bravo, à cette, bravo au Canada, je, je sais pas. J'ai pas assez de mots pour leur dire bravo. Vous m'avez fait passer un super moment. Et puis, vous me, faites, vous me donnez envie encore d'y croire encore plus parce qu'il y a la place face au Maroc et il y a la place face à la Croatie. Il faut toujours parler de l'arbitrage. On n'a pas le choix. Non. non, mais il y a eu ce penalty. Euh, il y aurait pu en avoir un ou oui. deux autres quand même. 100%. Celui contre. Euh, C'était qui en première demi cette tu contre l'Aria justement où on voit qu'il est accroché au mollet, au genou et euh, au coude 100 Moi, je pense qu'il euh, y aurait au moins. Un penalty de plus qu'aurait été valable. Après, c'est sûr que c'est des choses, des faits de jeu sur lesquels j'ai pas envie de me cacher parce que je considère toujours que l'arbitre fait partie mmh. du jeu et puis c'est pas moi qui vais me plaindre le matin. Ah, à RDI de la VAR et de, et de la nouvelle technologie. Euh, la te Comment ils ont fait ça le, La technologie semi-automatique dans le ouais. ballon. Mmh. Mais c'est une horreur. Franchement, j'en peux plus. Moi, je, 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 je veux de la spontanéité. Je préfère les erreurs comme ça manifestes d'un arbitre. On réagit derrière, on essaye de s'ajuster et ne, pas, ne prendre aucune excuse jusqu'à la 90e minute plutôt que d'être là à regarder euh, justement des ah, arbitres. Qui, des, qui, on part à la vidéo. Désolé, oh, ouais, je désolé, je parle dans un non, autre non, débat. C'est plus possible. S'il vous plaît, arrêtez la VAR au football. Arrêtez la on a eu des hors jeu de... par euh, trois poils, euh, c'est. Mais, mais c'est ça aussi, je veux dire, un hors jeu, je veux dire, c'est une question d'interprétation. On a vu l'Argentine pour sortir mm -hmm. du Canada, mais je veux dire, ils ont perdu un match euh, de cette façon-là. Pour moi, il y a absolument pas hors jeu sur Mat Martinez euh, en Argentine. Je veux dire, c'est une question de de, de millimètres. Olivier, qu'est-ce que tu me dis Pour moi, c'est compliqué de gérer ça. Peux tu plus. me dis, si on peut marquer un but techniquement, si on peut marquer un but avec trois poils, on peut être hors jeu de trois bah, poils. Oui, exactement. Donc euh, voilà. Tu... Atiba était, euh, était port, genre en 2007, en passant. <laughs> non, mais ok. <laughs> ça. Alors, on s'en va, on, re, on retourne loin. Ben on, non, mais je pense est... que c'est important de le préciser, il Olivier. était vraiment oh, ouais. port, genre. Mais de toute façon, on ne peut pas vraiment critiquer l'arbitrage. <laughs> ça fait partie du jeu, puis ça reste que euh, si Alfonso Davies marque en début de match, euh, c'est totalement différent. Exactement. Euh, Thibaut Courtois. Ça, ça reste beau Courtois, fabuleux, je veux dire. C'est sûr que c'était pas le meilleur penalty non plus de Davis. Oui, mais, mais il va il aller chercher choisit le bon côté. le bon côté, puis après, il mesure le... 8 pieds et 4, le, fait le... que... La, la tête de la reine, là, c'est un il arrêt cap... qui est complexe à faire, mais. Elle pas puissante, mais elle est loin. Il le sent, il a le feeling. En fait, il a tout senti, il a tout juste, en fait. Le penalty, c'est exactement ça. On, on critique Davis, des, des c'est vrai, sur le penalty. Mais je veux dire, si, euh, si, si, part, si Courtois part de l'autre côté, le pénalty est fabuleux aussi. Donc, il sent qu'il va, qu va le tirer de ce côté-là. Il anticipe même la frappe de Davis, va la chercher et s'étend de façon fabuleuse. Et la tête aussi. Euh, je veux dire, c'est. Les... C'est gardien... courtois. Ouais. C'est le, le, gardien gardien du... le meilleur gardien du monde. C'est le meilleur gardien qui s'appelle Thibault depuis Jocelyn. C'est ça. <laughs> bon, il fallait <une> faire référence <rire> au hockey. <laughs> pas du tout. Non, non mais on s'en parlera. Est est bon. On est d'accord que sans Thibault Courtois, aujourd'hui, le, le ouais, résultat est différent. Que... C'est mais... un gardien de 5 et 6, C'est qui votre... Est-ce que c'est lui? Moi, ce serait lui. Votre homme du match? Certainement pas Batshuayi, je m'excuse. Non, moi, je suis juste chanceux. C'est ça, c'est qu'il est efficace, donc... Dans le sens du jeu, tu es obligé de lui donner crédit parce que c'est lui qui fait la différence. Mais c'est vrai que Courtois, de, par sa présence, par ce qu'il arrive à faire, je veux dire, tu es obligé de le mettre en avant. C est, c est, pour moi, c'est l'homme du match. C'est lui, lui qui a fait la différence. Ouais. Donc, là, ah, oui. donc là, quand même, c'est une Coupe du Monde, il y a beaucoup de surprises. L'autre match, match du groupe ce matin, c'était un match nul entre la Croatie et le Maroc. On ne s'y attendait pas, nous, on pensait. En tout cas, je croyais que la Croatie, ce serait une victoire facile. Mais donc là, ils ont un point. Le Canada se retrouve donc pour le moment dernier de son groupe avec ouais. aucun point. Est-ce que vous y croyez encore? Comment vous euh, voyez la suite pour le Canada? Moi, j'y crois. J'y crois encore plus. Je pense que c'est une bonne euh, table sur laquelle s'appuyer aujourd'hui. Euh, le sectionneur a de la matière pour avancer, continuer dans cette direction, pour corriger les, les, les détails et les défauts. Paradoxalement, on, on craint aujourd'hui les contres au Canada. C'est fou, hein c'est incroyable de se dire qu'on a une équipe qui est capable d'avoir ah la possession, ouais. capable de presser, d'avoir des contre-pressings aux 30 mètres. Je veux dire, j'ai vu du très haut niveau là de la part du Canada. Donc, c'est s'ajuster là-dessus, à grandir, à prendre des, des petites erreurs aussi. Et euh, Écoute. Le résultat, bien entendu, c'est quelque chose de très important, mais il y a la matière, il y a le, la prestation, et ils sont sur la bonne voie. Donc, euh, moi, j'y crois. Vraiment. En tout cas, Oli, tu écoutais les, les propos de John Erdman avant qu'on entre en ondes. Lui ouais. est très <laughs> confiant pour le moment, n'est-ce pas? Je ne vais même pas euh, essayer de, de, de contourner la manière. <laughs> c'est un petit peu... Euh, un il... balado, on a plus de loose, vas-y. Oui. Il dit essentiellement qu'ils vont... Euh, ils vont, ils vont déranger <laughs> la Croatie avec un, un langage plus coloré. était bon en traduction. Ok, ouais, hein. appliquer un, un, un diplôme là-dedans. Ouais, je vois ça. Alors. Bref, il, il a pas pris euh, non, un gros détour. Il est allé Clamable. direct. Ils sont, ils, ils sont prêts au vu des, au vu des stats, au vu de la, de la performance. Il n'y a pas de raison de, de croire qu'ils vont se faire déclasser par la Croatie. Honnêtement, je pense qu'ils peuvent les battre. Ouais. Tout je est possible. Je pense qu'ils peuvent les battre. Ouais. Mais on dirait que personnellement, je n'ose plus faire de dans ce mondial-là parce que notre poule, ça ne marche plus du tout. Il faut aller refaire. le refaire. Toutes les prédictions ne fonctionnent cook. pas. On a <laughs> eu encore le, le Japon qui a battu l'Allemagne aujourd'hui. Bref, voyons <laughs> voir ce qui va se passer. Prochain match, c'est dimanche. C'est 11h contre la Croatie. Le 27, cest dimanche? Je pense que c'est ça. Donc on Il y aura un autre jour, balado. Hein? Il y a des chances. Ouais. Il y a ouais. des chances, oui, ouais, sans calcul. Il <laughs> y aura un autre balado spécial de Tellement Soccer directement après le match. Mais on va faire quand même le balado habituel lundi on a beaucoup de choses à dire mm -hmm. sur d'autres équipes, mm -hmm. dont les Bleus, Dassun, Camara. Ben, non. <laughs> on en non, non. Parlé, pas. Il a entendu parlé. Il a réussi à plugger Mbappé dans un balado réaction. Sur le Canada, au Canada. évidemment. C'est comme... fou. J'ai l'impression qu'il y a une ristourne comme chaque fois qu'il nomme Mbappé, ah, il y a plus d'argent si dans ce pays. Si vous, vous pas, saviez. Je... Les, les Français FA que je prends. Voilà. C'est ça l'affaire. Je suis non, le C'est char... hein. moi le vrai charlatan, Oli. OK, on se mouille. Match Canada fallait que tu parles de charlatans encore. Il y a des gens qui m'en ouais, parlent ouais, sur Twitter. Je que suis faite pour le reste de ma vie. On fait une prédiction pour dimanche. Il faut se mouiller. Moi, Je, je, je sais que j'ai dit que je tenais des prédictions, mais j'aime ça. Ouais, j'y vais pour un 2-1 Croatie. Ah. ah, pardon, pardon. On gagne contre la Croatie 2-1. Ah. Mon dieu, il ne faut pas faire du montage, couper ça la ça. fin de ta phrase Exactement. parce que <rire> <rire> Ollie, il m'a volé mon, mon pronostic fait que On euh, peut OK, on fait ben je l'ai une... passé aujourd'hui, je ouais. me suis trompé unanimité ouais, les, 3, les 3 2 1 Canada contre la Croatie, c'est très rare hey, qu tu sais qu'on ait 2-0. Mais non, mais pour une fois on s'entendait. Non mais j'ai pas le il, veut il veut se distinguer, il aime pas, il, dans aime pas lui, il dit pas variance va mettre ses pantalons puis il va toutes les arrêter, c'est ça. C'est pas Voilà, donc on sortira. Mon papier est encore pas donc, on prend des notes. On se retrouve donc dimanche après le match du Canada pour un autre balado spécial Tellement Soccer, Coupe du Monde. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Mm -hmm.